Bel bonjour, j'écris tout le monde. Donc, moi, les berges, la rivière Petite Lézarde. Alors, il n'y a pas venu pour ça, nous sommes venus aller faire en marche pour monter Bordoumlan. Mais nous avons montré les autres qui problème qui n'y a les berges, la rivière, la Petite Lézarde. Donc, je dis à nous le lundi 20 mai 2024, nous avons adressé comme nous à la DL, à Michel Imer Beaumont. Alors, regardez. Nous, on les berges, la rivière. Donc, il y a des travaux de terrassement que c'est mon café. Et donc, nous avons montré les autres qui m'ont dit que là, ça m'a dit. Donc, regardez bien. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez comprendre un monde qui peut faire un bail comme ça et puis en bulldozer quand nous pousser bagarre dans la rivière comme ça. Donc, au moment où nous avons dit qu'il y a un problème de l'eau, nous avons fait un terrassement et puis a poussé la barrière là en les berges de la rivière. Je vais signaler aussi que l'air ou détruit les berges de la rivière. Regardez, côté Akini et Verdure là, c'est ça qui permet de garder fraîcheur et garder un certain niveau de l'eau. Donc ça a un problème. Donc je vais montrer les autres, toutes les berges de la rivière là, parce que c'est un problème majeur. Donc, nous avons fait vidéo là, pour que les services, soi-disant, qui sont chargés de les autorisations pour défricher et faire terrassement, regardez qui m'a dit bagaille là ici. Là. Merci, je vous ai pour moi. Donc, je vais continuer à marcher. En les berges là et je vais montrer les autres qui m'ont ici à boucher. Regardez, voilà. Donc après ça, nous avons dit que c'est toujours les mêmes, mais quand même. Et puis toute cette information qui a passé en les la rivière, en les problèmes de l'eau, etc., on ne peut pas arrêter là qu'à faire ça comme ça. Alors, quel que soit l'aménagement qui a fait là, il y a un problème. Il y a un problème majeur. Donc, faut que nous respections l'environnement, hein? Respecter la nature, nous, qui est capable de nous boire, manger, etc. Alors, bel bonjour. Bel bonjour, bel bonjour. Bel bonjour. Où c'est, monsieur? Moi, c'est monsieur Batrivemo, du Péronnet, usuellement. D'accord. Voilà pourquoi je vous ai sollicité, monsieur Béris. Voilà. Le voisin a fait des travaux, mais il me semble que ce n'est pas dans la normalité. Pourquoi? Tous les détritus sont en train de tomber dans le lit de la rivière ou sont sur la berge. Alors, ça me pose un problème éthique vis-à-vis de l'environnement, parce que la rivière a besoin de l'écoulement normal. Et ça, c'est en train d'obstruer tout l'ensemble du tracé. Alors bon, voilà la raison pour laquelle que je vous demande où est-ce que nous avons passé. Non, j'ai vu M. Berisson et l'équipe, je les ai sollicités pour me donner un conseil. Et voilà maintenant. Donc le conseil, c'est que tu nous as dit que tu as déjà sollicité la DL. Ah oui, pas pour cela. Avant pour faire des travaux pour moi, de coupe ici. D'accord, mais pas pour ça encore. Moi, je voulais solliciter la DL, mais j'ai dit sous réserve, je demande à quelqu'un qui est plus compétent que moi, qu'est-ce qu'il pense. Je ne sais pas si je suis plus compétent, mais en tout cas, nous avons tous la compétence et l'obligation de sauvegarder le réseau. Donc, je vous montre. Regardez les amas de gravats le long de la berge de la rivière, la Petite Lézarde. Voilà. Donc sur ça, il faut regarder comment c'est déjà obstrué. Hein. Donc c'est quelque chose, ça, c'est terrible. Moi, je trouve ça terrifiant. Terrifiant. Donc en fait, on a l'impression que l'aspect économique prime sur l'aspect
environnemental. Mais après, c'est même Mounta qui a dit pas ni manger, pas ni de l'eau, etc. Donc il y a un problème parce que préserver les berges des rivières, c'est préserver un certain niveau d'eau. Donc il faut comprendre ça. Donc on ne peut pas mettre gravats, des détritus comme ça, bon la rivière comme ça. Donc ça c'est quand même terrible. Ça. Donc je vais continuer, je vais montrer les autres. Hein. Donc, voilà, nous allons continuer. Donc voilà, donc il y a un terrassement, je ne sais pas quel aménagement il y a fait. Nous pouvons solliciter mais la ville Gaumont. Excusez-moi Gilbert, puisque nous avons souvent dans les manifestations, mais là on a un problème à son à la rivière Petite Lézard Gaumont, il faut que vous réglez ça. On ne peut pas quitter sa fête. Je finis bien en doublant par l'air. Et ça a été dommage que la rivière à niveau à descendre, à sécher. Parce que justement, ils ont abîmé les berges de la rivière. Nous savons que ça, c'est ça qui a tué les frichets. Ah, vous avez filmé dans le bagage. Ah oui. Ok. Oui, voilà, nous allons montrer les autres. Regardez ça. Regardez ça là. Ça quand même particulier qui a moun poussé Magala là. En fait, nous avons parlé, mais nous, depuis que nous avons fait nous d'accord pour préserver. Mais là, nous avons un besoin économique, etc. Yep, nous s'en foutons pas mal. C'est vraiment un problème, ça. Et c'est nous-mêmes qui avons détruit notre pays. Parce que si nous n'avons pas manger, nous n'avons pas manger et engin, nous n'avons pas manger sale danser, nous n'avons pas manger sale, etc. Par contre, là, nous avons besoin de l'eau. Et c'est de l'eau qui a fait nous la vie. De l'eau, c'est la vie. Donc voilà, je vais vous film là, attendez, il y a l'autre bagaille là encore. Incroyable ça. Donc voilà, regardez qui manière de l'eau belle. Regardez qui manière de l'eau à circuler. Mais en même temps, je vais profiter pour dire garder une de l'eau. Hein. Bon. Et, mais quand même, c'est scandaleux que un monde a fait ça comme ça. Merci pour l'alerte là. Si nous n'avons pas venir pour ça, mais bon. Nous allons profiter. Hein. Alors nous avons dit, si maman elle a fait attention, la rivière c'est la vie, c'est de l'eau. Nous avons l'impression que parce que elle arrive en robinet, que ce n'est pas de l'eau qui compte. Non. Pour y arriver en robinet, il faut une de l'eau. Donc merci en pile. Faire vidéo à circuler. Voyez tout partout, tout le monde qui connaît, le monde qui travaille la DEAL, le monde qui travaille dans l'Amérique Gaumont, voyez pour que vous puissiez faire signalement et faire le nécessaire pour que d'accord les aménagements, oui. Mais pas au détriment de la nature là, mais puis nature là, et puis respect par la nature là. Force, lumière, l'honneur, respect. C'est ça, travail épisode 7 nous. C'est-à-dire, yo quitté ba nous en héritage, faut pas nous détruire. Pour des besoins momentanés. Parce que 20 ans restaurant, 20 ans salle, je ne sais pas qui a aménagé qui a fait là. Si c'est un parking, si c'est qui ça, parce que je vais la nuit pour manger, etc. Mais d'accord? Mais pas pour détruire. Au contraire, quitter berge là pour que laisser mon envie, je trouve un environnement agréable, etc. Parce que nous avons dit que l'eau va venir là, même si nous n'avons pas à quoi ça pour l'instant Martinique. Par contre, on préfère mettre là, mais nous avons déboisé. Oh, c'est bras qui permet de garder fraîcheur et puis garder un certain niveau de l'eau. Regardez. Regardez berge là qui m'a été aménagé comme ça, l'autre côté là, et puis regardez qui m'a été par là. Force, lumière, l'honneur.